Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te présenter la propagande Twitch. Tu me retrouveras sur cette plateforme, en live, du mardi au jeudi, de 13h à 16h, toutes les semaines. Laisse-moi maintenant t'expliquer comment ça va se passer. Dans la description, sous le live, tu as le leaderboard. Il permet de savoir quels sont les utilisateurs les plus actifs sur mon stream. Celui-ci permettra plus tard d'organiser des giveaways via les points de chaîne. Juste à côté, tu as le décompte du prochain live, également les jours ainsi que les horaires. Et pour terminer, tu auras le dernier panneau qui montrera les jeux à venir, ainsi que les jeux en cours, les jeux terminés, et surtout les jeux online que je fais quand je ne fais pas de let's play. Au fait, une dernière chose. Si tu as Amazon Prime, en liant ton compte Amazon à ton compte Twitch, tu as la possibilité de souscrire à un abonnement mensuel pour soutenir le streamer de ton choix, ça ne te coûte rien, c'est renouvelable chaque mois, ce serait vraiment dommage que tu le perdes. Alors n'hésite pas à l'utiliser chez ton streamer préféré, ça l'aidera grandement et tu pourras avoir accès à du contenu exclusif, tel que des émotes, avoir accès aux rediffusions ou même des concours pour les abonnés. Et ça c'est beau putain! Je te souhaite un excellent visionnage à travers cette vidéo et je te fais de gros bisous. Salut à toutes et à tous, ici Kalion et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final de notre Let's Play sur Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 dans le mode quête parallèle. Et je revis doucement un cauchemar du mission... Enfin non, c'est pas du mission 100, c'est le top 50 rank, enfin un truc dans le genre top 100 rank, je sais plus. Mais voilà, pour ceux qui ont regardé cette série avec le Saibaman, vous vous souvenez de ce qui s'est passé tout au long de cette série. Et putain, qu'est-ce que c'est dur. On est doucement en train de revivre... ce qui s'est passé avec, avec justement cette série. Bah on est à l'épisode final, on est au combat final justement de ce mode. Et on va affronter Krillin, Yamcha, Piccolo, Tenshinhan, Trunks en SSJ et Vegeta en SSJ pour la première fois. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Freezer bien sûr. Et du coup j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très très bien. Mais par moment mon cerveau il fait des confettis, il fait du popcorn, tout ce que vous voulez, c'est pas facile du tout. Et franchement, si vous avez l'occasion de faire le mode, faites-le parce que je vous raconte vraiment pas des conneries. C'est pas facile du tout. Donc on va essayer de s'en sortir, on va essayer de, de bien faire les choses. On va essayer de mettre une tollée à ces Z-Warriors. C'est vrai que le ki se charge un petit peu plus lentement. Faudra que je m'y habitue. Et oui, déjà le dernier épisode, du coup, bah, c'est bien ce qui me semblait. Hein, cette série durerait entre 12 et... enfin, entre 10 et 15 épisodes. C'est bien ce qui me semblait, de toute façon. De ce fait, bah, comme je vous l'ai dit, hein, je verrai s'il y a des choses à faire intéressantes dans la bêta précédente. Il y aura encore des sub-challenges, je vous avoue que d'ici là, je sais pas si j'en aurais fait ou pas. Et bien évidemment, les persos à montrer par rapport à leur kit. D'accord. Pardon, monsieur. Le show de Brother, le retour. Et on est chaud aujourd'hui, on est chaud. Non, on n'est pas chaud du tout. Ça va, il est pas trop chiant comme mec, mais... non mais... Mec, oui, s'il te plaît, ne perds pas de vue, je sais bien que ça éblouit, mais à partir du moment où t'as tapé, il fait toujours la même technique. Trop relou. Ok, nice. Ah non, pas nice du tout. Normalement, il y avait l'animation du mec qui fonce, du coup, il peut pas se taper, mais c'est pas grave. Il l'a fait quand même, donc... Qu'est-ce que j'adore ça! Si c'est le même type de gameplay à chaque personnage, cet épisode final va être une purge. Après, c'est ma faute, hein. Je veux dire, j'ai voulu de la technologie. De la difficulté, bah là j'en ai quoi, mais... Y avoir de la difficulté et être ridicule au point que ce soit pas faisable. Mais bon. Ils aiment bien ça, les développeurs. Ils adorent mettre des niveaux de jeu complètement craqués. Au point que le joueur il rage quitte en fait. Je comprends pas trop. Oh, putain, il y a une texture qui me dérange. Ah, mais...
Il y a un truc tellement pas compréhensible. Parfois mes combos se cassent tout seuls, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Ah! Je comprends pas. Moi j'arrive à un peu plus le placer, c'est une bonne nouvelle ça. Bon, il va l'esquiver hein, comme d'hab. Hein. C'est pas gentil de me prendre par derrière, monsieur. Vous n'avez pas mon consentement, donc il faut demander avant. J'étais sur les routes toute la sainte journée. Ah, bon, t'as pas envie de chanter, d'accord, très bien. Je n'ai pas vu les toutes. Ah, voilà. Oh, toi, stimisté. Le bot a un méga manque de respect envers moi, c'est parfois en fait pour interrompre mes combos alors qu'il se prend le coup, hein. Donc normalement il a les dégâts de recul, genre il sent l'impact, il m'envoie une boule de ki pour m'interrompre, genre ça me fume. C'est trop lesque en fait cette difficulté. Non. Tant pis. Ah bon. En fait, ma sauvagerie, quand je vais essayer de me TP pour follow un truc que j'ai fait, genre ça, et ben en fait, elle s'active deux fois, mais elle le prend aucunement. Genre vraiment, elle s'active, mais elle sert à rien. Du coup, ça casse tout. Ça casse tout ce que j'ai fait. Bon, maintenant, on va taper le cyclope. Le triceratops. Yes! Donc il reste 3 personnages, je suis mid-life. Je serai mort 20 fois avec les autres persos, hein, qu'on se le dise. Ah, je suis trop petit. Eh. Allez, normalement, le temps que son animation se finisse, c'est bon. Ah! Ouais, il y a eu un truc très bizarre là avec ma puissance max. J'ai pas compris. Ok, il m'a pas vu. Voilà, il va me voir. Je pense que là, il va me voir. Ou alors dans très peu de temps. Non. Ah, si j'arrive à le finir avec un deuxième ulti. Non, c'est mort. Tiens, il est de retour avec son bras, là, son moignon. Putain, c'est trop marrant. Qui aurait cru que ce serait marrant d'avoir un moignon en face de soi? Je suis invincible. Tiens, mange. Trop de balles. D'accord. D'accord, oui. Pas de problème. Putain, mais c'est pas vrai! Je vois rien avec l'arbre. Il est caché derrière, en fait. Take this! Take this beaucoup même. Oh, il m'a pas vu. Mais bon. Faut que je tempo sa puissance max. Ok, nice. Ah, du coup, lui aussi, c'était 3 boules de ki. Bon, je dirais pas qu'on s'en sort bien, mais on gère quoi, on fait ce qu'on peut.
On fait vraiment ce qu'on peut. Toujours plus longue l'animation, on adore. Heureusement que cet ulti est assez gros, on va dire. Qu'il a une grosse épaisseur, parce que sinon ce serait tellement simple à esquiver. Bon allez. The final countdown. Ok. Et je vais te défoncer. Tiens, hop. Aujourd'hui, tu seras mon ballon de basket. Ok, pardon, monsieur. J'essaie de faire du tennis, là. Tu peux pas me la renvoyer ? Pourquoi il veut pas renvoyer ? Mais qu'est-ce que... Bon, j'ai peut-être un peu troll, là. Quoi ? Ça n'a pas de sens ce qui vient de se passer. Hein. Pourquoi il m'a troll ? Il y a eu un taunt là. Il y a eu un taunt. Et d'ailleurs c'était le taunt de Trunks enfant je crois. Ok, je peux pas me TP, je peux pas me TP, je peux pas me TP. Quand c'est comme ça, mais autant poser la manette quoi. Mais j'étais par terre. Mais c'est n'importe quoi. Il a décidé de s'énerver là, ça y est. Il est réveillé. Ouais, doucement quand même. Hein. Mec, c'est une purge. Non, franchement, ce combat final, c'est encore plus une purge que les autres. C'est un truc de dingue. Ça doit faire quoi ? Ça fait 2-3 minutes que je sais plus l'approcher. Par contre, il se prend ça, il est mort. Hein. Bah oui, forcément, évidemment. Suis-je bête? Je peux rien faire, je spam toutes mes touches, la touche de garde, la touche d'esquive, la touche pour envoyer des boules de ki, tout. Oh putain, enfin. Ouh. Merci la tankiness de la race Freezer, parce que sinon j'aurais jamais réussi ce défi. Youhou. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont tellement courageux qu'ils font tout ça. Vraiment tous les combats là avec le Saiyan. Il y en a, ils sont tellement forts, je sais pas comment ils font. Ils font tout avec le Saiyan. Et c'est un mystère pour moi. Parce que c'est infaisable, c'est vraiment infaisable. Avec des adversaires comme ça, tu peux pas. Tu fais une erreur, tu perds 2 barres de vie en fait. Sachant qu'il en a 4. Ah, c'est pas ouf. Enfin, ou 5, je sais plus, mais bref, sa vie fond comme neige au soleil, donc c'est n'importe quoi. Ou comme disait notre cher philosophe Jean-Claude Convenant, comme de la rillette sur un radiateur. C'est... Voilà. Hein, nos régions ont du talent. Donc bon, en tout cas, j'espère que cette série vous aura plu. Malgré quelques passages, on va pas se mentir, assez chiant, dans le sens où le bot était complètement fumé, donc c'était pas forcément agréable à jouer, ni à regarder, je pense, de votre côté. Mais au moins, on a tout réussi, et on a vu ce que ça valait. Par contre, même si le bot, par moment, était vraiment anti-jeu, force est d'admettre que... y a de la difficulté. Pour le mec qui recherche du challenge, par exemple, bah là, il est servi. Parce que même si, admettons, il fait tout avec Freezer, il se dit « Ouais, c'est facile et tout. » Ok. Mais fais-le avec le Saiyan, ce sera pas pareil, vraiment pas, donc
Ouais, non, franchement, très bonne découverte. Et je vais voir de mon côté sur la bêta 8 et la bêta 6, ouais, c'est ça, si il y a d'autres combats intéressants dans ce genre, et je comparerai à la version originale, voir si ce ne sont pas les mêmes. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce mode, cette série, vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager. Et en tout cas, voilà, moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir la faire avec vous. On va partir vers d'autres horizons, d'autres destinations sur ce jeu. Comme je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que je l'avais vraiment dit au tout début de la série, je crois que c'était au premier épisode que je l'ai dit, on fera certainement du Dragon Ball Heroes dès que j'aurai installé le mode. Voilà, voilà. Donc après Super, c'est Heroes. Ça va être un autre level de délire. Vous allez voir, ça va être oufissime. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos dans lesquelles vous me suivrez, tout simplement. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Et merci beaucoup de votre soutien. J'ai hésité à vous laisser l'outro. Et je me suis dit qu'il fallait quand même la laisser, puisque de toute façon, c'était la fin. Mais, comme vous l'avez certainement constaté pour ceux qui ont regardé la vidéo pour le tuto d'installation de BT4, en faisant moi-même cette même mise à jour, puisque mon jeu n'était pas à jour depuis un moment, eh bien j'ai découvert qu'ils avaient rajouté 15 pages de 5 défis chacune pour le mode quête parallèle, donc la série est absolument, vraiment absolument loin d'être finie, c'est un truc de ouf. Là il va y avoir énormément de contenu, au final ça revient au même que l'émission 100, sauf que là ce sera avec une grosse hausse de difficulté, de nouveaux défis, de nouveaux combats, des persos de super, surtout très important. Des défis qui changeront quand même un peu, mais dans le principe ça reste le même. En tout cas ça fait super plaisir qu'ils aient fait cette mage à laquelle je ne m'attendais absolument pas, je vous jure, j'ai pas vu venir ça, mais du tout, donc ça fait franchement plaisir. Et je n'ai pas regardé de mon côté, par contre je veillerai à le faire avant de reprendre cette série, bien que vous aurez quasiment tout d'affilée en fait dans la foulée, parce que moi j'ai tourné ces 11 épisodes à l'avance sur une même journée pour m'avancer, bah forcément sur la série de GTA, puisque je vous rappelle que je sors quand même 4 épisodes par semaine, entre 35 et 1 heure, donc ça fait beaucoup de montage, ça fait beaucoup de temps de record, je peux pas tout faire en même temps. Donc je suis obligé de m'avancer, disons, sur certaines séries qui sont plus simples à faire, ou dans lesquelles je peux tout simplement me rendre dispo immédiatement, voilà. Donc ne vous en faites pas, c'est pas du tout la fin de la série, et bah on va voir ce que ça va nous réserver. Je me demande surtout si ils ont améliorer les races des 4 personnages qu'on jouait, s'il y a des transformations, si on peut personnaliser leur set, c'est-à-dire changer leur Kikoa, pouvoir mettre des enchaînements, enfin vraiment tout n'importe quoi, ce serait vraiment cool. Et bah écoutez, vous aurez la surprise dans le prochain épisode. Et moi, je crois que je vais le laisser au montage. Voilà, ça montre un peu les aléas du tournage d'un youtubeur. Ça montre un peu ce qui se passe autour. Que tout n'est pas parfait, tout n'est pas beau grâce au montage, il y a parfois des petits trucs. Comment dire, vous verrez tout ça bah, à la suite de cet épisode, mais moi je le verrai maintenant, et du coup ce sera dans 2 mois, enfin 1 mois et demi vous verrez cette vidéo, par rapport à moi, parce qu'on est fin octobre. Enfin bon, voilà, j'espère vraiment encore une fois que cette série vous aura plu. Pour ma part je me suis bien amusé, même si sur la fin je commençais doucement à tilt, à perdre un peu patience, on va pas se mentir, bon, après c'est logique, c'est un peu logique, c'est pas pour me défendre, mais... Il y a un niveau où le stade du bot, en fait, il est ultra instinct et c'est un peu casse-couille. Mais on l'a eu. Contrairement à la série du Sabaïman où j'avais vraiment give up parce que c'était impossible. Enfin, avec mon skill, c'était impossible. Enfin bon, du coup, on se donne rendez-vous pour les prochaines séries dans lesquelles vous me suivrez. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir vous proposer ces quêtes parallèles. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour les continuer. Allez, gros bisous!